tous et à toutes, c'est Tranky Tuto. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on s'était pas revu, parce que je travaillais sur ma seconde chaîne YouTube. Alors, longtemps, ça fait 2 jours. Hein. J'ai recommencé 3 fois ce tutoriel, parce que c'est juste un tutoriel pour changer la police. Par exemple, la police, quand vous allez sur Windows. Et là, vous avez des polices, par exemple, Bird of Heroes, Merit. Et voilà, c'est pour en ajouter. Voilà. Alors, déjà, il vous faut un truc à télécharger qui s'appelle WinRAR. Je pense que tous ceux qui ont déjà craqué des logiciels doivent l'avoir. Alors, je pense. Ça prend vraiment pas longtemps pour télécharger. Alors, c'est pour XP ou Windows 7. Hein. Prenez la version gratuite. Et après, vous allez dans votre navigateur internet et vous marquez Dafont. Dafont. Et c'est parti. Dafont, hein. Ici. Dafont.com. Toujours ce petit bug. Enfin, ce petit bug. À l'aperçu, vous marquez le nom de votre chaîne. Par exemple, si votre chaîne s'appelle... Ça, c'est la mienne, hein, je sais que c'est ça. Si votre chaîne s'appelle Gamé, comme ça, hein. Voilà, vous marquez Gamé, hein, Gamer. Voilà. Je sais que c'est ça. Voilà, nombre par page, 50. Parce que ça évite de publier plein de fois sur la page suivante. Et l'ensemble moyen. Et valider. Et voilà, c'est bon. Et maintenant, là, vous pouvez choisir votre police. Moi, je vais la prendre au hasard. J'ai jamais vu celui-là. D'accord. C'est des logos. Et des symboles. Brush. C'est quoi Brush? Voilà, Brush, c'est assez spécial. Faut aimer. Enfin, moi, je trouve qu'il y a les spirales. Oula. Voilà, par exemple, celle-ci, je trouve qu'elle est assez jolie. Pourquoi ça l'a pas? Bon, c'est pas grave. Bon, après, ça reste. Ma chaîne, il y en a. Des fois, c'est. Par exemple, celle-ci, elle est tout en majuscule. Du coup, on distingue pas trop des minuscules des majuscules. Du coup, moi, je vais télécharger une police. Une police de. Est-ce qu'on mettrait une. Voilà, ça par exemple, The Series est ça. Vous téléchargez. Ça s'installe automatiquement. Bon, après, si ça veut télécharger, hein. Oui, il se magne. Voilà. Alors, bon, là vous avez le nom gunplay.zip. Ah, d'accord, je suis un boulet. Je suis un gros boulet. En fait, ça rame, c'est pour ça qu'ils voulaient pas se lancer. Mais pourquoi ça rame? Là vous avez votre fichier rare ou zip. Vous ouvrez votre fichier rare ou zip. Et là vous avez toutes les espèces de fonds. Alors double clic dessus. Alors là le mec, je sais pas comment il a fait. Il nous a fait un gros bordel sur sa police. Laisse tomber. En fait, on va pas prendre celle-ci parce que. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, prenez votre police, par exemple. Celle-ci qui est à peu près la même. Vous downloadez. Je laisse prendre. Normalement, vous avez un truc comme ça. Enfin, sous des fois, ça peut faire du genre. Des trucs comme ça. Vous faites extraire ici. Voilà. Alors là, vous avez votre Boston.td. Enfin, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Vous faites créer un lien vers le bureau. Et normalement, vous avez dû créer un dossier. Je pense, intérêt à le faire. Nouveau dossier. Parce qu'il y en a des fois, ils téléchargent, par exemple, sans fonte, sans écriture.
Du coup, ça leur prend genre la moitié de l'écran. Et la moitié de l'écran pour des écritures, pour des logos d'écriture, franchement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, je vous conseille de faire ce que je vais faire. Alors là, vous faites copier-coller. Vous devez le faire à deux fois. Voilà, les deux, c'est exactement les mêmes. Hein. Vous en glissez un vers fonte. Vers fonte. Voilà, là, vous avez votre toutes vos écritures. Hein. Alors, vous faire Boston, voilà, autre dossier. Et après, vous en glissez un autre qui est plus important. Vous avez dans votre ordinateur, disque local C, bon, moi c'est Acer C, ou Windows. Et là, vous êtes dans fonte. Double-clic. Dans fonte. Voilà. Et là, vous avez juste à glisser votre copie. Et vous la glissez et vous la mettez à l'intérieur. Là, ça ne fait pas très longtemps. Là, vous enlevez. 6 minutes. Voilà. Alors après, bon bah vous allez dans votre dans Microsoft Office Word ou Photoshop ou ce que vous voulez. Est-ce que vous utilisez ce que vous utilisez? Je dis mal aujourd'hui. Alors. C'est Boston Traffic. Et vous tapez votre écriture. Par exemple, bon bah après ça donnera ça. Hein. Par exemple, si vous devez taper un texte, hein. Voilà, c'est ça le problème, on ne distingue pas trop des minuscules des majuscules. Voilà. Ça donne à peu près ça. Après, il y en a des mieux. Par exemple, ma préférée. Celle que j'utilise, celle que je vais utiliser et que j'utilise. Voilà, c'est celle-ci, de série, ça se trouve, ça rend pas mal. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que les lettres sont vraiment serrées. Voilà. Bon, alors. Et je vais terminer sur cette vite fait. Non, ça passe vite ou ça passe très très vite. Alors voilà, je vais terminer maintenant et à la prochaine pour un nouveau tuto. Et abonnez-vous à ma chaîne surtout, hein. N'oubliez pas ça. Et aimez la vidéo, voilà. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Salut, à la prochaine. Bye les gens.